Bienvenue Marc et déjà l'ouverture de cette session extraordinaire, la convention démocratique du parti, et nous vous remercions davantage. Mesdames et messieurs, honorables députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, les mandataires, combattants et combattants et cadres du parti, mesdames et messieurs, distingués invités, l'honneur de choix de présider cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, siégeant en matière disciplinaire conformément à l'article 16 du règlement intérieur de la Convention démocratique du parti. Dans l'ordre du jeu, je vous rappelle les missions et les compétences dévolues à la Convention démocratique du parti aux articles, à son article 31 de nos statuts, entre autres. 1. Recevoir les rapports de la situation générale du parti. 2. Veiller à l'application des résolutions du Congrès et examiner certaines questions urgentes dans l'entre-session des Congrès. 3. Veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières non réglementées par les statuts du parti. 4. Élaborer son règlement intérieur. 5. Élaborer son budget. 6. Élire le cas échéant de mettre les membres de son bureau composé petit a d'un président, petit B, un vice-président, petit C, un secrétaire rapporteur, et petit D, un secrétaire rapporteur adjoint. 7. Organiser à son sein des commissions, notamment la Commission nationale de discipline et la Commission de médiation et d'arbitrage des conflits, dont elle fixe la composition et le fonctionnement. 8. Prendre acte de la liste des membres de la présidence présentée par le secrétaire général du parti. 10. Veiller à la conformité des décisions et actes pris par les organes de l'UDPS au regard des dispositions statutaires et réglementaires du parti. 11. Approuver les comptes annuels du parti présentés par le secrétaire général du parti. 12. Et enfin, propose les candidats du parti aux élections législatives, provinciales et locales sélectionnées par la Commission électorale permanente. Mesdames et messieurs, comme dans toute assemblée, il s'y est que nous procédions par l'appel pour voir si le quorum est atteint. Je demande
Yeah.
Maman. Éventuée à nous martyriser pour nous sommes en sa mort, avec comme sa déchire cachée, reprendre le pouvoir que nous avons aujourd'hui lors des échéances et prochaines. D'autres encore, et d'autres enfants, on n'en finira jamais. Ce n'est pas le temps de rappeler tous ces mauvais souvenirs. Ces dirigeants-là, ils sont mis en cause ce jour au parti, sans avoir reconnu ces sacrifices d'une horreur puante et nauséabonde, puisqu'ils n'ont pas connu surtout la dure période de la clandestinité de 1990-1990, parviennent à mentir surtout la jeunesse du parti pour détourner la vérité de l'histoire en déclarant sans vergogne que ce sont eux qui ont donné le pouvoir à Félix Antoine. Et tout cela comme raison pour se comporter comme des potentats dans ce parti qui, par définition, est le propre étendard de la démocratie, de l'état de droit et de la justice dans notre pays. Alors que les fondateurs, les pionniers, les jeunes et tous les vrais combattants de l'UTP-Tshisekedi n'étant pas seulement les uns, la fondation et tous ayant participé avec les premiers à la construction de murs et du toit de ce parti pour avoir réussi à remporter la victoire démocratique portant notre haute autorité politique de référence du parti à la tête de ce pays sont et demeurent les vrais architectes de ce pouvoir qu'on doit honorer et défendre. Les opportunistes et les ennemis politiques que nous avons combattus tous quand nous étions dans l'opposition sont venus s'asseoir officiellement au sein de notre parti pour le ranger de l'intérieur en faisant de nos boulots d'hier ainsi que le gouvernement de l'ici, les dirigeants de l'UTPS, ce qu'ils disent aujourd'hui, et en les faisant nommer dans le gouvernement et dans les institutions publiques à la place de la base combattante et des vrais cadres du parti. Nous aimerions signifier par là que personne ne peut accepter d'assister passivement à l'assassinat de son enfant alors qu'il a la possibilité de le sauver. Cet enfant qui est mort, celui de Tshisekedi, que certains infiltrés qui ont été placés à son sommet ont tout fait pour détruire. L'UTP Tshisekedi est réellement mort. Ce qui reste heureusement, c'est l'esprit. C'est lui qui nous réunit aujourd'hui. Merci papa. C'est ma manière. Les trois fois précédentes où la Commission nationale de discipline avait cherché à assainir les cadres du parti, nous avons laissé passer inacceptable. Personne ne peut rejeter les crachats pour accepter la mort. Donc, nous ne pouvons plus encore revenir à la même faute politique. C'est pourquoi nous tenons ainsi à revenir à ce que nous avions déclaré lors des audiences publiques précédentes où nous avions dit, nous citons, tant que certains soi-disant membres cadres ou au cadre de Tshisekedi ne seront pas encore sur le chemin de l'unification du parti, de sa réimplantation, de l'étude, de l'approfondissement et de la pratique de l'idéal tshisekédien, de l'unité nationale à cause de laquelle notre haute autorité politique de référence du parti ne sert pas l'œil, de la pratique de
sacrifice sagement réglementé. Tout ceci pour détruire validement le parti. La Commission nationale des disputes ne se fatiguera pas, ne se fatiguera jamais pour établir de l'ordre au sein du parti. Maintenant encore, la Commission nationale des disputes, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après enquête sans préjugé aucun, élève les dons pour dire non au secteur général du parti, Christian Kabouchou. La vision salvatrice de notre haute autorité.
ainsi suivons attentivement cette sentence. La Commission nationale de discipline a constaté avec immense regret les violations à répétition des statuts en ses articles 9 et 10 par la pratique sans fin des centres de valeur, empêchant par là l'atteinte des objectifs que les partis s'est sagement assignés, ainsi que le non-respect manifeste du code d'éthique et celui de la bonne gouvernance de notre parti, dont le secrétaire général Augustin Kawojiro s'est honteusement rendu coupable. Alors que ce sont ces textes qui, par leur pratique, répondent aux cris de peur du fait président du parti et des séries de Reuse-Mémoire, qui est le peuple d'abord, et à la vision sanitaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, après avoir examiné avec attention soutenue les 10 griefs de l'exécutif national, ceux de la Ligue des Jeunes, les différentes déclarations des fédérations internes et externes, ceux de la base du parti qui ont tous étalé sur la place publique tout ce que le secrétaire général Augustin Kawojiro a commis comme manquement, qui ont suscité la clameur publique et à partir desquels le secrétaire général Augustin Kawojiro a été désavoué par eux, considérant le refus caractérisé d'accepter à deux reprises les invitations de la Commission nationale des disciplines, fut la destruction totale, consciente et sans pitié de l'UDPS du Sekedi, voulu et sciemment exécuté par M. Augustin Kawojiro, fut l'appui systématique de sa part à l'égard des membres du PPD ou du FCC qui l'a mis sur la liste de l'UDPS du Sekedi. Il a endossé seul à la place de la convention de parti, la CPP en cycle, lors de toutes ces dernières élections, alors que l'article 31.10 et 12 des statuts et 13 du règlement derrière du parti assure le contraire de ce qu'il a exécuté durant son mandat, fut le mépris manifeste et dégoûtant qu'il démontre à l'égard des anciens qui ont combattu les trois dictatures successives et qui n'ont jamais trahi votre cher parti jusqu'à ce jour, vu la neutralisation des membres de la présidente et dirigée de la CDB en général, de la Commission nationale de discipline de la CNT en particulier et de toutes les autres parties auxquelles il n'a jamais voulu donner ne fût-ce que des locaux pour fonctionner au sein du siège du parti, ni écouter leur doléance, ni prêter attention à leur suggestion. Fut l'usurpation du pouvoir disciplinaire dont il s'est accaparé lorsqu'il démettait certains membres du parti et les remplaçait par d'autres, alors qu'il s'agit des attributions statutaires selon les articles 65 et 66 et selon les articles 64 à 67 du règlement de la République, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement de la République, de la Commission nationale de discipline, attributions qui lui sont dévolues. Vu que les candidatures, soit à toutes les élections, soit pour les nominations par la présidence de la République, soit pour celles des organes du parti, n'ont jamais été endossées par la CDP comme l'exigent les statuts du parti dans leur article 31, 8, 10 et 12. Vu qu'il a déterré et réanimé un tribalisme rétrograde et honnête, alors que notre haute autorité politique de réforme du parti, pour l'unité nationale, ainsi que dans son intuition illuminée, l'avait voulu notre leader Maximo, le fait président du parti, Étienne Grégoire-Rolomba de Reuse-Mémoire, le libéralisme étant l'une des antivaleurs que la Commission nationale de discipline est en train de combattre avec la dernière énergie, vu que depuis que l'UDP du Tshisekedi a gagné le pouvoir, bien sûr, par la voie démocratique, ce grand parti n'a jamais mis des stratégies politiques à partir desquelles on devrait conserver le pouvoir démocratiquement. Entendu que le rôle de la Commission nationale de discipline est non seulement de
démoraliser les cadres et les membres, de faire maintenir la discipline par la connaissance et la pratique des textes de mais aussi d'aider tous les cadres et les membres en vue de la bonne conduite et bonne gouvernance de la restauration du parti, de sa réimplantation, de son rayonnement et de la pérennisation de l'idéal du Ségédien qui est le richet total de ses valeurs, afin qu'on puisse défendre la formation du type nouveau du Congolais qui doit non seulement lutter pour avoir la souveraineté nationale, mais aussi la préserver efficacement pour toujours. Connaissant amèrement qu'il avait instruit ses services de ne pas même abuser réception des invitations de la Commission nationale de discipline jusqu'à instrumentaliser d'autres responsables de sécurité, à avoir le même comportement, vu son comportement basé sur le clientélisme, la personnification du pouvoir, le népotisme, le despotisme, la tyrannie, la lutte et l'usurpation du pouvoir, la stratégie financière, l'immoralité. La rareté des réunions des membres de l'exécutif national, le manque de courtoisie, l'incitation à la haine tribale et régionale, le non-respect de la hiérarchie et des institutions du parti, puis le manque de planification et de programmation sur l'avenir du parti et sans stratégie devant amener celui-ci à maintenir son ancrage sociologique, les matinées politiques improductives et organisé pour cacher la vie de destruction, les conflictualismes, les dédoublements conscients des structures du parti, la faible capacité d'écoute, la prise de décision sur base de seule humeur, le fait de ne jamais inculquer à la jeunesse la foi et l'espérance pour un avenir meilleur. Vu que pendant plus de 5 ans, il n'a jamais présenté le budget, le règlement financier, ainsi que les comptes annuels du parti à la CDP pour être adopté comme l'exige. Comme l'exige les statuts d'arrêt du parti 31.9 et 11, ainsi que l'article 61 du règlement intérieur du parti. Vu qu'il a encaissé des fonds pour l'établissement des cartes de membres, il ne va jamais délivré depuis plus de 5 ans. Vu qu'il n'a jamais proposé au bureau de la CDP au plus tard, le 1er octobre de toutes les dernières 5 années, les rapports d'activité et les projets du budget du parti pour l'exercice prochain selon l'article 24.6 des statuts du parti. Sans oublier les actes de nomination des délégués du parti à la structure électorale nationale ainsi que les comités fédéraux comme le stipule de l'article 21.1, 8, 10 et 12 des statuts du parti. Vu que le personnel politique, administratif et technique permanent du parti n'a jamais bénéficié de la rétribution comme ce stipule l'article 53. Du règlement intérieur du parti et c'est sûr. Malgré l'argent du parti, il a encaissé chaque mois depuis 2019 que nous sommes aujourd'hui. Vu qu'il n'a jamais présenté la reddition des comptes du parti pour être approuvé par la CDP, comme l'exige l'article 63 de notre règlement intérieur qui se base sur l'article 61 des présents statuts, vu il avait usurpé le pouvoir de convoquer le congrès alors que l'article 19 des statuts du parti ne l'autorise pas. Vu qu'il avait mis en place en 2023 une commission non statutaire pour discuter les candidatures aux élections à la place de la CEP et leur liste n'a jamais été transmise à la CDP pour examen et endossement, en contradiction avec l'article 31.1, 2, 3, 5 et 10 du statut de la vie. Vu qu'il
s'est arrogé le pouvoir de nommer les fédéraux, non seulement des anciennes provinces, mais même des nouvelles qui ne sont pas reconnues par l'article 30 des statuts du parti. Donc, une génération de plus de pouvoir et en même temps, une génération des statuts du parti, puisque la CDP l'avait déjà normalement endossé lors de la session de la CDP de 1902, vu qu'il est récidiviste pour avoir constitué encore une commission non statutaire qualifiée de la commission de gestion des admissions, contrairement aux dispositions pertinentes des attributions de la CDP selon l'article 31.8.10.12, constatant amèrement qu'il ne reconnaît pas les pouvoirs de la Commission nationale des disciplines, dans ce sens, il a fait nommer des personnes déjà destinées du parti par une décision de la Commission nationale des disciplines, faisant fi du fait que les décisions de cette dernière sont prises en premier et dernier ressort et sont exécutoires et opposables à tous, comme on l'a dit, vu qu'il avait sérieusement menacé le président de la Commission nationale des disciplines qui voulait lui remettre cette interpellation l'année passée, et ceci par ignorance regrettable de nos textes, déclarant plutôt qu'il pouvait dissoudre la Commission nationale des disciplines, alors qu'il n'a aucun pouvoir statutaire, celle-ci étant instituée par les statuts du parti, selon les articles de 65 et 66 du statut, et 64 jusqu'à 68 du règlement intérieur du parti, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Commission nationale des disciplines, vu qu'il avait poussé sa dictature, son incompréhension, jusqu'à s'autoproclamer président à élire. Et cette fonction de vu que son ignorance regrettable des textes précise l'angoisse littéraire qui implique malheureusement leur manque d'interprétation qui l'amène à prétendre du sur la CDB qui est instruée par les congrès selon l'article 7 de nos statuts. Vu qu'il n'a jamais considéré ou prêt à leur juste valeur les anciens combattants du parti en général et singulièrement sur les droits sociaux et humanitaires, alors qu'ils sont eux qui avaient combattu les dictateurs noirs, Sadiq Timor, Augustin Kakou et Chiluma, et dès ce jour relevé de ses fonctions. Et à CDP, et qui vont rester dans CDP dans ce pays.
la présente sentence entre en vigueur à la date de son procès. Thank you.
vu que tout est décidé à l'Île-de-France. Nous sommes d'ailleurs le premier parti dans ce pays qui procède de cette façon. Chez nous, c'est la démocratie. Le pouvoir se décide à la base. Il n'y a personne qui soit indispensable dans ce parti. Et nous respectons les statuts de notre parti. Nous avons veillé sur nos droits en vie. Ces statuts, nous avons veillé sur nos droits et qui a veillé sur nos morts et nos maquilles qui sont dans le ciel. Parce que ça fait 5 ans depuis l'accession de l'île de France au pouvoir.
parti en Abidjan finalement. Tout le monde ne cessait de dire l'IDPS est un parti du lettré, l'IDPS est un parti des incompétents, l'IDPS est un parti des gens qui ont fait. Je crois qu'il était temps pour nous, en tant qu'exécutif du parti, en tant que cadre du parti, de prendre des choses à mettre pour dire stop à la médiocrité de l'IDPS au sein de tout le monde et de mettre le parti sur les chemins. 2028 ici, je dans quelques jours, il fallait que les partis s'organisent, mettent en place des structures qui vont conserver le pouvoir et déconquérir le pouvoir en 2018. Donc, comme vous le savez, depuis que nous avons assuré le pouvoir en 2018, aux élections de 2018, l'IDPS n'avait qu'une trentaine de députés. Mais on avait au gouvernement 12 ministres, on avait 13 gouverneurs. Mais après les élections de 2023, l'IDPS a eu au moins plus de 70 députés. Aujourd'hui, il dépasse 3 gouverneurs et 7 ministres. Ce qui veut dire en d'autres termes que M. Kabuya était en train d'amener le parti vers la porte de sortie. Donc il était temps pour nous de dire stop, de recréer les espoirs auprès des combattants et des combattants pour que le pouvoir soit conservé. Donc aujourd'hui, cette décision était attendue de tout le monde pour que M. Kabuya quitte le secrétariat général du parti et laisser les partis s'organiser pour que demain les choses aillent mieux pour l'intérêt, pas seulement des membres de l'IDPS, mais de tout le monde. Est-ce que vous vous rassurez qu'après cette crise, on va libérer les partis de la carte ? Non, il est obligé de libérer les partis parce que c'est l'organe habilité de la Convention démocratique. Kabuya a été sanctionné par les membres de l'exécutif et les partis qui l'ont désavoué, mais il fallait formaliser ça par un acte administratif et juridique. C'est ça que la Convention démocratique vient de faire. Donc, il ne va même pas risquer, il ne va même pas venir et moi, il va partir, sinon on va appliquer, on va appeler les services compétents. Il est obligé de partir pour son honneur, mais ce n'est plus le temps de partir parce qu'il vient d'être démis de ses fonctions. Il est démis de ses fonctions. Non, il n'est pas radié du parti, il reste membre à part entière. Il va exercer dans toute la liberté ses fonctions de député national parce qu'il a été élu sur la liste de l'IDPS. Mais il n'est plus secrétaire général de l'IDPS. Il est démis de ses fonctions. Il est membre comme tout le monde, comme tous ceux qui sont ici. Nous sommes les autorités de M. Kabuya. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui on va maltraiter Nanyoyo. La femme là c'est qui? Emina. Emina. Nous devons la maltraiter. Les membres du gouvernement,
Mesdames et messieurs, les mandataires, combattants et combattants et cadres du parti. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'honneur des choix de présider cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, siégeant en matière disciplinaire conformément à l'article 16 du règlement intérieur de la Convention démocratique du parti. Dans l'ordre du jeu, je vous rappelle les missions et les compétences dévolues à la Convention démocratique du parti aux articles, à son article 31 de nos statuts, entre autres. 1. Recevoir les rapports de la situation générale du parti. 2. Veiller à l'application des résolutions du Congrès et examiner certaines questions urgentes dans l'entre-session des Congrès. 3. Veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières non réglementées par les statuts du parti. 4. Élaborer son règlement intérieur. 5. Élaborer son budget. 6. Élire les cas échéants de maître les membres de son bureau composé petit a d'un président, petit b un vice-président, petit c un secrétaire rapporteur et petit d un secrétaire rapporteur adjoint. 7. Organiser à son sein des commissions, notamment la Commission nationale de discipline et la commission de médiation et d'arbitrage des conflits, dont elle fixe la composition et les fonctionnements. 8. Prendre acte de la liste des membres de la présidence présentée par le secrétaire général du parti. 10. Veiller à la conformité des décisions et actes pris par les organes de l'UDPS au regard des dispositions statutaires et réglementaires du parti. 11. Approuver les comptes annuels du parti présentés par le secrétaire général du parti. 12. Et enfin, propose les candidats du parti aux élections législatives, provinciales et locales sélectionnées par la commission électorale permanente. Mesdames et messieurs, comme dans toute assemblée, il sied que nous procédions par l'appel pour voir si les colombes est atteint. Je demande aux honorables députés nationaux et sénateurs, là ils sont, ils se manifestent seulement par lever la main. Merci. Les ministres et mandataires du parti, élus sur la liste du parti. Merci. Les membres de la présidence du parti, et là nous appelons l'exécutif. Thank you.
peut vraiment siéger. En effet, la Fondation de Mauvais est partie par son bureau a constaté comme tout le monde une situation de crise au sein du parti. Tous les ordres du mois de juin 2021. Laquelle crise a paralysé le fonctionnement normal du parti et l'empêcha ainsi de jouer son rôle de locomotive de la vie politique en République démocratique du Congo. Cette situation de crise s'est matérialisée par la déclaration d'une bonne partie des secrétaires nationaux et a désavoué le secrétaire général, l'honorable Augustin Abouyadjo. Yeah.
D'autres encore, et encore, et d'autres sans fin. On n'en finira jamais. Ce n'est pas le temps de rappeler tous ces mauvais souvenirs. Ces dirigeants-là, qui sont mis en cause ce jour au parti, sans avoir connu ces sacrifices d'une horreur puante et nauséabonde, puisqu'ils n'ont pas connu surtout la dure période de la clandestinité de 1990-1990, parviennent à mentir surtout la jeunesse du parti pour détourner la vérité de l'histoire en déclarant sans vergogne que ce sont eux qui ont donné le pouvoir à Félix Antoine. Et tout cela comme raison pour se comporter comme des potentats dans ce parti qui, par définition, et le propre étendard de la démocratie, de l'état de droit et de la justice dans notre pays. Alors que les fondateurs, les pionniers, les jeunes et tous les vrais combattants de l'UTP-Tshisekedi, n'étant pas seulement les uns, la fondation et tous ayant participé avec les premiers à la construction de murs et du toit de ce parti, pour avoir réussi à remporter la victoire démocratique portant notre haute autorité politique de référence du parti à la tête de ce pays, sont et demeurent les vrais architectes de ce pouvoir qu'on doit honorer et défendre. Les opportunistes et les ennemis politiques que nous avons combattus tous quand nous étions dans l'opposition sont venus s'asseoir positionnellement au sein de notre parti pour le ranger de l'intérieur en faisant de nos boulots d'hier ainsi que le mouvement de l'Église et dirigeants de Tshisekedi aujourd'hui et en les faisant nommer dans le gouvernement et dans les institutions publiques à la place de la base combattante et des vrais cadres du parti. Nous aimerions signifier par là que personne ne peut accepter d'assister passivement à l'assassinat de son enfant alors qu'il a la possibilité de le sauver. Cet enfant qui est mort, celui de Tshisekedi, que certains infiltrés qui ont été placés à son sommet ont tout fait pour détruire. Celui de Tshisekedi est réellement mort. Ce qui reste heureusement, c'est l'esprit. C'est lui qui nous réunit aujourd'hui. Les trois fois précédentes où la Commission nationale de discipline avait cherché à assainir les cadres du parti, nous avons laissé passer l'inacceptable. Personne ne peut rejeter les crachats pour accepter la mort. Donc, nous ne pouvons plus encore revenir à la même faute politique. C'est pourquoi nous tenons ainsi à revenir à ce que nous avions déclaré lors des audiences publiques précédentes où nous avions dit, nous citons, tant que certains soi-disant membres, cadres ou co-cadres de Tshisekedi, ne seront pas encore sur le chemin de l'unification du parti, de sa réimplantation, de l'étude, de l'approfondissement et de la pratique des idéaux tshisekédiens, de l'unité nationale à cause de laquelle notre haute autorité politique de référence du parti ne sert pas l'œil, de la pratique des valeurs morales et spirituelles qui sont tshisekédiens, donc patriotiques, du rejet total des anti-valeurs, de l'amour du Congo et du Congolais, bref, de la réfondation du parti, ils doivent savoir que la Commission nationale de discipline sera toujours à leur pouce. Ils finiront par être rattrapés et subiront la rigueur de la discipline du parti, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, et quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, sauf bien sûr la haute autorité politique de la France du parti, qui est et reste notre modèle politique vivant, notre exemple à suivre par son comportement politique, sa pratique des idéaux.
élimine de nombreux problèmes artificiellement créés, des ruses malignement conçues, des rumeurs soigneusement répandues, des plans déducteurs savamment montés, des mensonges génialement véhiculés, des astuces sagement réglementées. Tout ceci pour détruire malignement le parti. La Commission nationale des disputes ne se fatiguera pas, ne se fatiguera jamais pour établir de l'ordre au sein du parti. Maintenant encore, la Commission nationale des disputes, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après l'enquête sans préjuger aucun, élève les dons pour dire non au secteur général du parti.
Et l'article 5 du règlement intérieur de la Commission nationale des disciplines s'en nécessite d'office pour l'examiner avec diligence, froideur, objectivité et donc sans préjugé aucun, comme une marche contre l'idéal qui s'est créé, fait fonctionner le parti et ne suit pas la vision salvatrice de notre haute autorité politique de réforme du parti. Ainsi, suivons attentivement cette sentence. La Commission nationale de discipline a constaté avec immense regret les violations à répétition des statuts en ces articles 9 et 10 par la pratique sans fin des centres de valeur, empêchant par là l'atteinte des objectifs que le parti s'est sagement assigné, ainsi que le non-respect manifeste du code d'éthique et celui de la bonne gouvernance de notre parti, dont le secrétaire général Augustin Kaboudjou s'est honteusement rendu coupable. Alors que ce sont ces textes qui, par leur pratique, répondent aux cris de cœur du fait président du parti et des séries de Reuse-Mémoire, qui est le peuple d'abord, et à la vision sanitaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, après avoir examiné avec attention soutenue les 10 griefs de l'exécutif national, ceux de la Ligue des Jeunes, les différentes déclarations des fédérations internes et externes, ceux de la base du parti qui ont tous étalé sur la place publique tout ce que le secrétaire général Augustin Kaboudjou a commis comme manquement, qui ont suscité la clameur publique et à partir desquels le secrétaire général Augustin Kaboudjou a été désavoué par eux, considérant le refus caractérisé d'accepter à deux reprises les invitations de la Commission nationale des disciplines, fut la destruction totale, consciente et sans pitié de l'UDPS de Sekedi, voulu et sciemment exécuté par M. Augustin Kaboudjou, fut l'appui systématique de sa part à l'égard des membres du PPD ou du FCC qui l'a mis sur la liste de l'UDPS de Sekedi. Il a endossé seul à la place de la convention de parti, la CPP en cycle, lors de toutes ces dernières élections, alors que l'article 31.10 et 12 des statuts et 13 du règlement intérieur du parti assurent le contraire de ce qu'il a exécuté durant son mandat. Fut le mépris manifeste et dégoûtant qu'il démontre à l'égard des anciens qui ont combattu les trois dictatures successives et qui n'ont jamais trahi votre cher parti jusqu'à ce jour, fut la neutralisation des membres de la présidente et dirigée de la CDB en général, de la Commission nationale de discipline de la CNT en particulier et de toutes les disciplines parties auxquelles il n'a jamais voulu donner, ne fût-ce que des locaux pour fonctionner au sein du siège du parti, ni écouter leur bienveillance, ni prêter attention à leur suggestion. Fut l'usurpation du pouvoir disciplinaire dont il s'est accaparé lorsqu'il démettait certains membres du parti et les remplaçait par d'autres alors qu'il s'agit des attributions statutaires selon les articles 65 et 66 et selon les articles 64 à 67 du règlement intérieur du parti ainsi que les articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Constitution. Attributions qui lui sont dévolues, vu que les candidatures, soit à toutes les élections, soit pour les nominations par la présidence de la République, soit pour celles des organes du parti, n'ont jamais été endossées par la CDP comme l'exigent les statuts du parti dans leur article 31, alinéa 8, 10 et 12. Vu qu'il a déterré et réanimé un tribalisme rétrograde et honnête, alors que notre haute autorité politique de réforme du parti, propre l'unité nationale, ainsi que dans son intuition illuminée, l'avait voulu notre leader Maximo, le fait président du parti, Étienne Grégoire-Rouba de Reuse-Mémoire. Le tribalisme étant l'une des antivaleurs que la Commission nationale de discipline est en train de combattre avec la dernière énergie.
connaissant amèrement qu'il avait instruit ses services, de ne pas même abuser réception des invitations de la Commission nationale de justice, jusqu'à instrumentaliser d'autres responsables de sécurité, à avoir le même comportement, vu son comportement basé sur le clientélisme, la personnification du pouvoir, le népotisme, le despotisme, la tyrannie, la nuit et l'usurpation du pouvoir, la stratégie financière, l'immoralité fiscale, le suffisme, l'ignorance au cas de tête officielle des dirigistes, la politique du mensonge élevée au niveau de sa stratégie politique, l'intolérance, la rareté des réunions des membres de l'exécutif national, le manque de courtoisie, l'incitation à la haine tribale et régionale, le non-respect de la hiérarchie et des institutions du parti, vu le manque de planification et de programmation sur l'avenir du parti et sa stratégie devant amener celui-ci à maintenir son ancrage sociologique, les matinées politiques improductives et organisées pour cacher la vie de destruction, les conflictualismes, les dédoublements conscients des structures du parti, la faible capacité d'écoute, la prise de décision sur base de seule humeur, le fait de ne jamais inculquer à la jeunesse la foi et l'espérance pour un avenir meilleur. Vu que pendant plus de 5 ans, il n'a jamais présenté le budget, le règlement financier, ainsi que les comptes annuels du parti à la CDP pour être adoptés comme des non statutaire qualifié de la commission de gestion des ambitions,
contrairement aux dispositions pertinentes de la commission de la CDP selon l'article 31.8.10.12, constatant amèrement qu'il ne reconnaît pas les pouvoirs de la Commission nationale des disciplines, dans ce sens, il a fait nommer des personnes déjà parties par une décision de la Commission nationale des disciplines, faisant fi du fait que les décisions de cette dernière sont prises en premier et dernier ressort et sont exécutoires et opposables à tous, comme on l'a dit, vu qu'il avait sérieusement menacé le président de la Commission nationale des disciplines qui voulait lui remettre cette interpellation l'année passée, et ceci par ignorance regrettable de nos textes, déclarant plutôt qu'il pouvait dissoudre la Commission nationale des disciplines, alors qu'il n'a aucun pouvoir statutaire. Ceci étant institué par les statuts du parti, selon les articles 65 et 66 du statut, et 64 jusqu'à 68 du règlement intérieur du parti, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Commission nationale des disciplines, dit qu'il avait poussé sa dictature, son incompréhension, jusqu'à s'autoproclamer président à élire. Nous avons terminé.
l'estrade. Nous vous demandons de rester ainsi parce que la cérémonie n'est pas encore terminée. Le bureau va revenir pour en terminer. Monsieur Deogracias, visible.
Tati, conformément à l'article 24 du bureau Tati, et de mettre tout en œuvre pour la tenue prochaine du congrès extraordinaire accueillant ces délais. Troisième résolution. Le maintien et le relèvement des attributions du président du parti seront traités conjointement par le président de la CDP, le secrétaire général intérimaire et le président de la commission électorale du parti. Le bureau de la CDP est chargé de l'exécution des présentes résolutions qui entrent en vigueur à la date de leur prononcée. Et si fait à Kinshasa, le 11 juillet 2024, pour le bureau de la Convention démocratique du parti, le secrétaire et rapporteur Guy Florentin Abouti, le président Augustin Bamoussel, je vous remercie.
Zéla. C'est Tien Tshisekedi qui est le père de la démocratie. C'est ce parti qui est à la base de la démocratie. Nous devons nous mettre en place, nous devons travailler pour les échéances futures, pour conserver le pouvoir de la démocratie dans l'intérêt de notre peuple. Merci. À partir de mardi, vous aurez vos présentations. Merci. Fais-tu chez moi, fais-tu chez toi, fais-tu partout. Il était temps pour partir, parce que ça fait 5 ans depuis l'accession de l'Union. C'est parti en abîmé finalement. Tout le monde ne cesse de dire l'IDPS est un parti illettré, l'IDPS est un parti des incompétents, l'IDPS est un parti des gens compétents. Je crois qu'il était temps pour nous, en tant qu'exécutif du parti, en tant que cadre du parti, de prendre des choses à mettre pour dire stop à la médiocrité de nous, au sein de tout le monde, et remettre le parti sur les genoux. 2028 ici, j'ai dans quelques jours, il fallait que les partis s'organisent, mettre en place des structures qui vont conserver le pouvoir et déconquérir le pouvoir en 2018. Donc comme vous le savez, au but de nous faire le pouvoir en 2018, aux élections de 2018, l'IDPS avait une trentaine de députés. On avait au gouvernement 12 ministres, on avait 13 gouverneurs. Mais après les élections de 2023, l'IDPS a eu au moins plus de 70 députés. Aujourd'hui, il dépasse 3 gouverneurs et 7 ministres. Ce qui veut dire en d'autres termes que M. Kabuya était en train d'amener le parti vers la porte de sortie. Donc il était temps pour nous de dire stop, de recréer les espoirs auprès des combattants et combattants pour que le pouvoir soit conservé. Donc aujourd'hui, cette décision était attendue de tout le monde pour que M. Kabuya quitte le secrétariat général du parti et laisser les partis s'organiser pour que demain les choses aillent mieux pour l'intérêt, pas seulement des membres de la presse, mais de tout le monde. Non, il est obligé de libérer les partis parce que c'est l'organe habilité de la Convention démocratique. Kabuya a été sanctionné par les membres de l'exécutif et les partis qui l'ont désavoué, mais il fallait formaliser ça par un acte administratif et juridique. C'est ça que la Convention démocratique vient de faire. Donc, M. Kabuya ne va même pas risquer, il ne va même pas lire des mots, il va partir, sinon on va appliquer, on va appeler les services. Il est obligé de partir pour son honneur, mais ce n'est plus le temps de partir parce qu'il vient d'être démis de ses fonctions. Non, il n'est pas radié du parti, il reste membre à part entière. Il va exercer dans toute la liberté ses fonctions de député national parce qu'il a été élu sur la liste de l'IDPS, mais il n'est plus secrétaire général de l'IDPS, il est démis de ses fonctions. Il est membre comme tout le monde, comme tous ceux qui sont ici. Nous sommes les autorités de M. Kabuya. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.